L'état des lieux est triste. Mais oui, on pourrait dire c'est magnifique, la Tunisie rendant la démocratie, les libertés, etc. Mais la Tunisie, elle est juste en train de creuser plus profond, plus profond, les problèmes qu'elle a et qui ont fait cette révolution. L'espace politique tunisien est décevant. Décevant. On a un joueur professionnel politique qui s'appelle Nahda. Du point de vue politique, il n'y a rien à dire. Ils sont organisés, ils savent ce qu'ils veulent. Ils fonctionnent en interne comme un vrai parti. C'est pas des gens qui se réunissent tous les soirs à 6h au Plaza de la Marsa pour discuter du sexe des gens. Et c'est pas un divan de thérapie collective pour des gens qui, depuis 40 ans, essayent d'imaginer un pays qui ne ressemble pas à ce qu'ils pensent. Ça bosse. C'est organisé. C'est hiérarchisé. On sort pas des clous. Il y a une stratégie. On l'aime pas. Mais c'est des pros. Et en face, une armée d'amateurs. Ils ne sont même pas capables de résoudre les problèmes de base d'une situation comme celle-ci, c'est-à-dire de s'unir, déjà. Avant même de savoir qu'est-ce qu'ils vont les raconter pour pouvoir montrer au peuple tunisien une autre alternative, une autre vision, mais surtout de pouvoir contrer les arguments qui sont extrêmement forts, de Nahda, extrêmement forts. C'est une élite qui a vécu en offshore dans son pays pendant 40 ans. On était tous des touristes dans notre pays. D'ailleurs, on vivait dans les endroits où allaient les touristes. Entre la Médina Tunis et les plages de Hammamet. Certains d'entre nous allaient à Monastir, voire à Sousse, Djerba pour passer le réveillon, ou Tozeur. C'était ça la Tunisie pour nous. Et le seul truc qu'on voulait, on disait il faut qu'on prenne l'air, on va aller en France. On a vécu en ne se souciant pas réellement de la réalité de ce que n'était notre pays, en ayant complètement déconnecté avec le fond qui était conservateur du peuple tunisien, qui avait des vrais problèmes fondamentaux qu'on n'avait pas, qu'on n'arrivait même pas à imaginer. Quand on a découvert, moi je leur dis aux gens, ils disent la révolution c'est normal, mais en juin de 2010, quand on parlait de la situation de la Tunisie, que je disais on est acheté sur une bombe sociale, les gens ils me disent mais non, c'est le miracle de la Banque mondiale la Tunisie. On est immunisé aux crises. C'est en disant le bon élève de la Banque mondiale, c'est ça qu'on disait. C'était le miracle tunisien, le bon élève de la Banque mondiale. Mais à quel point est-ce qu'on a pu être autant à côté de la plaque? Et on continue tous, hein. Moi, je suis dedans. Je suis né dans ces rues-là. C'est mes voisins, c'est ma famille, c'est mes amis. J'ai grandi en pensant la même chose, avec les mêmes convictions, avec les mêmes imaginations de la Tunisie. On continue d'être à côté de la plaque. On n'est pas capable, d'abord, d'être unis, déjà. On n'a jamais appris à ça. On a toujours travaillé tout seul. Les entreprises tunisiennes, c'est des tribus économiques. Les quartiers sont des tribus, la Tunisie. On n'a jamais été capable, mais il n'y a pas de banquier en Tunisie qui soit capable de partager le pouvoir d'une banque. On a 23 banques. Toutes les grandes familles tunisiennes ont leur banque, leur compagnie d'assurance, leur équipe de football, leur parti politique maintenant, leur association. On ne sait pas l'union. En fait, on a toujours été capable d'union derrière quelque chose ou quelqu'un. En fait. Pendant quelque temps, ça a marché. Mais aujourd'hui, quand il est question de s'unir derrière une certaine conception de la nation, on n'est pas capable de le faire. Même si on la partage très largement. On met tout le monde autour de la table, on est à peu près tous d'accord sur ce qu'on veut, mais on n'est pas capable de se battre pour cela ensemble. On dit, on va se battre chacun dans son coin, faire des coalitions, etc. Est-ce qu'on est capable de mesurer à quel point on est en dehors du jeu? La Tunisie, c'est encore plein de paysans, c'est 1,5 million d'analphabètes. C'est ça la Tunisie. La Tunisie, c'est un pays qui est conservateur, qui a peur, qui est plein de contradictions, à qui on a essayé d'imposer un modèle occidental alors que le terreau des traditions est encore berbère, oriental. Et puis confus, diffus, variable du nord au sud, de l'est à l'ouest. La Tunisie, c'est plein de petits bleds paumés qui, les gens se lèvent, les garçons se lèvent le matin sans savoir où aller, s'assoient dans un café parce qu'ils ont nulle part où aller. Mais personne ne veut ça. La Tunisie, c'est comme les pays arabes, c'est des millions de jeunes hommes qui n'ont pas eu le sens, le goût de la victoire depuis 150 ans, qui ne savent pas ce que c'est que la fierté de gagner. Alors ils s'inventent des choses dans lesquelles ils gagnent, mais qui sont des fausses batailles et des fausses victoires. Et nous, on est paumés là-dedans. L'élite se reconnaît presque plus dans son pays. Elle voit des gens qu'elle n'a jamais vus, mais qui étaient là depuis toujours. Des gens qui portent des barbes dans ce pays, il y en a depuis des années et des années.
Les gens qui ont peur de Dieu, khafu rabbi comme on dit. Mais ça a toujours été comme ça, tu me dis. Comment est-ce qu'on a pu vivre autant en dehors de notre pays, dans notre pays? Moi, c'est un truc que je comprends toujours pas, comment moi, j'ai pu autant être autant à côté de la plaque. C'est un truc qui m'échappe complètement. Et bien, il est temps de se rappeler qu'une révolution, c'est une page blanche. Dans une page blanche, on réécrit, et la première chose qu'on réécrit, c'est ce qu'on a dans la tête. Bon, ok, ça ne nous plaît pas. On n'aime pas la tête que ça a. D'accord. Et bien, quelle tête ça doit avoir? Comment on s'organise pour y arriver? Comment on s'unit vraiment? Comment on arrête d'avoir cette espèce d'orgueil? C'est le pays où il y a le plus d'orgueil individuel, alors qu'on est un pays qui est en milieu de tableau de la planète. On serait le pays le plus riche ou le plus nombreux du monde ou le plus puissant du monde. Moi, je veux bien qu'on soit tous individuellement aussi fiers et orgueilleux. Mais on ne l'est pas. Comment peut-on être aussi certain de nos incertitudes? C'est un truc extraordinaire. Comment peut-on être aussi certain de notre façon de faire alors qu'elle a prouvé être fausse? Comment peut-on être aussi certain de la vision qu'on veut pour notre pays alors qu'on ça fait 50 ans qu'on n'arrive pas à la mettre en place? Moi, je ne comprends pas ça. Et je ne vois pas de personnalité. Je ne suis pas à la recherche de l'homme providentiel. Mais je ne vois pas de personnalité de gens qui s'assoient et qui disent « Vous savez quoi? On a perdu. Vous savez quoi? On s'est trompé, pas on nous a trompé. » Ça, c'est formidable en Tunisie. C'est-à-dire, c'est « on ». Moi, je dis « on est parti ». ».« On nous a trompé ». Moi, je veux rencontrer « on » dans ce pays. « On fait tout dans ce pays ». On va résoudre ceci, on nous a fait cela, on nous empêche. On est la victime de personne. Quand on est l'élite, on est la victime de personne. Ou bien on arrête de s'appeler l'élite. C'est dans notre tête. Notre souffrance, elle est dans notre tête. Notre potentiel, il est dans notre tête. Mais il faut qu'on fasse le nettoyage dans notre tête. Mais au karcher, comme dirait l'autre. Ce n'est pas du petit nettoyage qu'on doit faire. On ne crée pas un pays avec 2 millions de gens en dehors de la société en ayant raison. Il faut qu'on change nos mentalités. Il faut qu'on commence par l'élite. L'élite tunisienne, en tout cas, autoproclamée par ailleurs, hein, puisque si on va demander aux autres si nous on est l'élite, je pense qu'il y a débat. Mais l'élite autoproclamée de ce pays doit comprendre qu'il est temps qu'elle se coupe un bras pour pouvoir faire en sorte qu'on relève ce pays. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, tant que les hommes politiques de ce pays qui ont essayé, qui ont perdu, ne s'en vont pas du paysage politique, tant qu'on ne fasse pas un renouvellement violent de la classe dirigeante de notre pays à tous les niveaux, économique, politique, associatif, artistique, universitaire. C'est toujours les mêmes têtes qu'on voit, c'est les mêmes qui ont essayé. Mais bon, ils n'ont pas réussi, ça veut bien dire que la méthode ne va pas. Tant qu'on n'aura pas mis les femmes en première ligne dans notre pays, si on n'a pas compris que la salvation de ce pays, ce sont les femmes tunisiennes, tant qu'on n'aura pas fait ça, on sera encore en train d'essayer à la marge d'améliorer un petit peu un truc qui finalement, comme dirait l'autre, on est en train d'essayer de tout changer pour que ça reste la même chose. Donc voilà, l'état des lieux de mon pays, c'est que je suis inquiet pour mon pays.